Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'armes. C'est une accuracy internationale AX-MK3 qui nous est fournie par Jordan, notre armurier. Donc on est très content de tester ça. On va vous faire des petits tirs à différentes distances. C'est parti. Bon les gars, avant de démarrer, je remercie NaturaBuy qui nous aide sur cette vidéo. Alors NaturaBuy c'est quoi? C'est la plus grosse plateforme de vente dans le milieu du tir, de la chasse et de la collection. Ils proposent vraiment une multitude de produits de toutes les marques et à tous les prix. Ils ont vraiment un super atout, c'est qu'ils garantissent tous les produits, qu'ils soient neufs ou d'occasion. Donc si vous avez un problème, ils prennent le relais et vous remboursent. Je suis moi-même un grand utilisateur de la plateforme. J'ai toujours été très satisfait, donc je suis très content de vous en parler. Peut-être un peu trop satisfait au vu du nombre de commandes que j'ai fait. Donc je vous invite vraiment à visiter la plateforme et à voir tout ce qu'ils proposent. Je pense que vous allez trouver des trucs qui vous intéressent et je vous laisse sur la vidéo. Je donne le prix ? Non, dis pas de prix parce que le prix fait qu'augmenter. Donc on est sur une arme multicalibre disponible en 338, 301 mag, 308 et 6.5 Creedmoor. Donc avec un changement qui se fait plutôt bien, on vous le fera pas là parce qu'on a que le canon en 338. C'est une arme qui, équipée, coûte... On va pas vous donner de prix parce que ça change souvent. On parlait d'environ 3 samouraïs. Et 3 beaux samouraïs, un peu kilométrés, en bon état, pareillés par rouillé. Donc c'est du haut de gamme, elle est super belle. Hein. Si j'avais un magnum à acheter avec plein de sous, ce serait ça. Parce que c'est vraiment beau. Et ça marche bien. C'est l'arme de certaines forces spéciales françaises. Alors le GIGN, on en est sûr. C'est potentiellement l'arme des commandos marines, mais on n'en est pas certain. Donc on vous dit qu'on n'en est pas certain, vous direz vérifier. On tire! Du coup, on a mis 3 cibles. La première à 380 mètres, la deuxième à 770 mètres et la dernière à 1050 mètres. Donc voilà. C'est Jordan qui va spotter. Le Bob Cochon nous permet d'améliorer la précision. Ça va être bien. C'est parti! Ah, t'as gardé le chargeur entier, toi tu t'es pas... Ouais, j'ai mis 10 bastos. Même pas de monocou ici, c'est boum boum boum. Voilà. Boum boum. t'as mis les réglages? Ouais. Ok. Vert. Vert. Ok. Putain, c'est cool ici. Si tu me fais 6 clics à gauche. Ouais. Tu me fais 4 clics en bas. Vert. Vert. Impact. Bas gauche. On l'entend. Donc t'as tapé. Faut remonter 2 et à la droite de 2, non? Tu vas me faire 2 clics à droite et tu vas me faire 2 clics en haut. Donc là on est 0T à 3,80. Ok. Je laisse tirer. Impact. T'as tapé au même endroit. Putain, on se fait avouer. On avait mis j'avais réglé pourtant. Ouais, mais après le groupement fait peut-être que... C'est l'homme, la munition qui est peut-être pas ultra qualitative. Tu finis? Ouais, bien sûr. Incroyable. T'as vu, c'est bien. Faire que le pas en plus. Hein. Clément, je vais sacrifier mon audition pour toi. Tu l'as tapé. Tu l'as tapé, ouais. Alors, sensation? J'ai l'oreille coupée. Vraiment pas un casque fixe. Ah non, bah c'est fait, ça coupe pour les silencieux, ça passe. Mais... C'est bien, tu es un homme maintenant. Du coup, on a mis 2 coups pour toucher à 400. Enfin, il y avait 380, je crois. Et après, tout était dedans. Dans un gong de 30. Donc, bon, après, c'est la 338. Normalement, ça marche bien. Et là, on va passer à 780. Et on va voir. Sur un gong qui est pas très gros, quand même. Sur un gong qui fait la même taille, qui fait 30 cm. Donc là, c'est plus dur. Mais c'est plus fait pour le calibre aussi. 775 sur. Ouais, sûr. Ouais. Elle est petite, celui-là.
Ouais, il est petit celui-là. Il va être dur. Il fait la même taille que l'autre, ouais. Oh putain, on est passé de 21 à 67. Ouais. Et t'as rien bougé en latéral? Non, j'ai rien mis parce que vu qu'il y a du vent, on va voir la balle où elle arrive. Si elle est dedans, ben tant mieux. Tu veux pas qu'on remette quand même deux clics puisqu'on avait déjà décalé un peu? Comme ça, on voit. Ouais, mais il est un peu tournant le vent. Ouais, et puis il y a une volée là en plus. Hein. Donc, tire et puis je te donnerai la correction. Juste au-dessus. Okay. Au-dessus à gauche, non? Tu me fais 6 clics en bas. Ouais. Et tu me ramènes 3 clics à gauche. L'étoile inversée par rapport à ce qu'on voit, c'est très bizarre. On est à 0. Ok. Du coup. Parfait. En fait, comme le vent il fait ça, du coup il n'y a pas de vent. Ça va être dur parce qu'il est très petit celui-là. Ouais, ouais, il est pas gros. On n'a pas une table parfaite. T'as rechargé ça bien ou t'as rechargé ça vite fait? Pardon? T'as rechargé ça bien ou t'as rechargé ça vite fait? Oh, on va dire super bien. Parfaitement bien. Si tu prends une culasse dans la gueule, tu feras des vues. C'est ce qu'il faut se dire. T'as tapé au pied. J'en remets un up, deux up. Non, tu contre-vises haut de gong. Fais-moi un clic à gauche et vise haut de gong. Pas, ça passe pas loin. J'ai trop à gauche. Hein? J'ai trop à gauche. Ouais. Ça passe pas loin. C'est le vent, je pense. Il tourne un peu, donc... En hauteur, on est bien sinon. Fais-moi un clic up quand même. Et je vise toujours haut de gong ou je recentre? Je mets deux clics et je vise centre. Tu vises plein centre et deux clics up. Vers. Vers. Ça passe juste à côté quoi. Ça passe juste à côté, je les vois taper. Ouais, mais il est petit le gong. Hein. Faut que ça rentre là comme ça, donc tout le reste pour taper à 1000. Ouais. Après, comme ça, on se réserve tout le reste pour taper à 1000. Et tout le monde ouais, pourra taper à 1000. Tu es ambitieux. De quoi? Tu es ambitieux. Tu crois que ça va pas taper? C'est, je sais pas, on va voir. C'est vrai qu'un gong de 30 à 700. Tu sais, quand on tirait à 308, c'est les gongs qu'on mettait à 750. Non, mais normalement, tu devrais pas le taper. Après, c'est. Bon. On n'a pas une table parfaite non plus. Hein. Bon, les dents. Dernier coup du chargeur. On fait le king of one mile paysan là, donc on a deux tables approximatives. Par contre, en vrai, ça tape autour, on est avec content. Le sac à LBP, la carabine, elle est d'un confort, d'une stabilité, c'est incroyable. Mais pas pour les gens à côté. De quoi? Pas pour ceux à côté. Ah, pour tout le monde autour. Tout le monde autour en chie, mais nous on est bien. Vert. Vert. Impact. C'est bon. Plein centre. T'as vu où il a tapé? T'es chanceux. Tu es un homme chanceux. Non, non, je suis bon tireur. Ça n'a rien à voir. C'est 70, c'est une bonne idée. On passe sur la 1000 mètres? Ouais. Ok. Par contre, c'est du matos, c'est vraiment c'est un bonheur à utiliser. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est incroyable. C'est. Je suis totalement d'accord. Non, c'est trop bien. Tout est. En fait, quand tu chausses la carabine, tout tombe bien, tu vois, tout est bien. Le recul est ultra linéaire, c'est pas fort. C'est bien. Dommage que. Je rappelle le prix, environ 3 Suzuki peu kilométrés. On a passé les 100 clics de hausse. Non, en fait, ils y sont pas vraiment parce qu'on n'était pas parfaitement zéroté. Tu crois? Ouais. Ah, mais à quoi? Deux clics? Ouais, trois clics. Moi, j'aime bien tirer, voir où ça tape. Après, j'aime bien tirer, rater, c'est vraiment une passion. Quoi. On veut que ça touche. Ouais, mais pour vouloir toucher, il faudrait avoir développé une charge, tirer ouais. Au moins 200 cartouches et puis connaître allez, un peu bien tirer, là, voir où ça tape. L'arme, elle en est à regarde, il y a la lumière du Seigneur sur la dernière cartouche. Cible. Je sais pas trop où me foutre, Victor, faire des plans. Ah bah loin. Ah, moi je sais pas tirer, c'est la première fois que je tire. Pour une 22 ça marche fort hein. Impact. Ah on l'a entendu. Le temps qu'il faut. J'avais c'est dit bon. Qu'on a un 1000 mètres. Tu vois avec une table à l'arrache, fait vite fait dans la grange, on est bon. Fait vite fait dans la grange. Sans déconner, ça a été fait vite fait dans la grange, c'est vrai en plus. Bon allez on confirme ça. Vert. Vert.
Impact. Il y a un pied qui est tombé déjà. Tu l'as vu le pied qui est tombé? Il y a un pied de la cible qui s'est barré. Bon bah je ne sers pas d'autre moi là. J'ai fait les deux ont touché. Bon bah. Que dire? C'est du matos incroyable. C'est. Ça marche. C'est, tout est fait pour que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne. Voilà. Donc candidat suivant. Vert. Non, là, à droite. À droite? Non. J'ai vu de la poussière en fait, mais je vois pas trop d'où ça vient. Tu vas viser le bord gauche de la plaque. Voir. Ok, et le bord haut gauche. Ouais, haut gauche, ouais. Il me semble que c'était en bas à droite. Touché là, elle a bougé. Ouais, mais t'es bas. Le vent doit pousser la balle vers le bas peut-être. Petit PA entre copains, c'est bien, hein, franchement. C'est léger, c'est maniable, les menus coûtent pas cher. T'es bien, hein. Oh, tu filmes, toi. T'es un peu cadre commentateur, toi, non? Si, tout le monde fait un peu de tout, en fait. Ça casse, ouais, ça, c'est tire, ça. Ça filme, ça... Bah maintenant, faut savoir que... des fois, c'est... Moi, je conduis le drone, Simon, il cale, toi, tu tires, et c'est Jordan qui fait la réal et qui dit, vous allez filmer comme ça, faire ci... Bon, bas à gauche. Ouais. Touché. Oh, elle a failli tomber. Hein. À mon avis, à chaque fois qu'on la touche, ça, la cible, elle va, elle est pas loin. Allez, quand tu veux, Jordan. C'est bon ? Ouais. Pan, t'es mort. Vert. Vert. Touché. Faut que s'écroule la palette, c'est le but. Vert. Touché. Elle va tomber là. Vert. Touché. Vert. Touché. Vert. Tu comptes pas contre-viser un joueur. Vert. Trop facile. Oh la vache, ce qu'il a envoyé. Là. Bah à 1000 mètres c'est facile en vrai. 1000 mètres ça passe tout seul. Ouais. Il est pas tombé, ça a pris. Hein. Putain, les trucs qu'on prenait dans la gueule à chaque fois. Y'a plus. En fait, la place la moins douloureuse, c'est en tireur. Ouais. Tu prends en tireur, tu prends rien. Tous ceux, qui ramasse, ouais. Tous ceux qui sont autour, ils saignent des yeux, mais le tireur, il a rien. C'est les petits vieux du stand de tir. Je vais être content. Eh putain, quand t'envoyais, on était là. Planquez-vous, planquez-vous. C'est dans le tir. Ah putain, ce qu'on a pris. J'aime bien ça, me secoue la panse, moi. Bon, les gars, on a bien tiré. C'est un vrai bonheur de tirer avec ça, franchement. Je sais pas quoi dire. Je trouverai pas de défaut à part le fait que ça coûte le prix de 3 Suzuki, peu kilométrés. Rappelons-le. Mais sinon, c'est vraiment top, donc faites des dons. On va avoir une cagnotte, tu sais, pour acheter un Magnum. Non, vraiment, il est top. En plus, elle est très belle. Rien à dire. Vraiment. J'espère que ça vous a plu. Encore merci à Jordan d'avoir mis l'arme à disposition. Et on se dit à la prochaine.